Cosini, mi voilà. Vous dites quoi? J'entends pas les gens, parmi les gens, sont comme gens de la caverne. IE. I, c'est que I est la puissance 9 de ma cave, E est la puissance 5. La somme est donc 14, A la puissance 14 avec N. N est comme quoi caverne. Celui qui est sorti pour acheter à manger parmi les gens de la caverne. C'est lui qui est quoi? C'est lui qui est ce pays là. C'est lui qui est ce pays là. C'est lui qui est revenu. Qui est revenu en tant que quoi? En tant que ce pays là. Parce que cet événement là, cet événement de cette histoire de la caverne là, comme je vous l'ai dit, cette histoire là, elle existait bien avant Moïse. Avant la génération de Moïse. Et comme ça. Et ce pays-là, c'est lui qui était, quoi qui fut. L'un des domaines de la caverne, plus précisément en l'occurrence, celui qui est parti chercher à manger. Pas mieux. C'est lui qui est quoi? Génie continue. Génie, c'est lui qui est. Ni comme quoi, niveau G. Niveau G. Niveau G, c'est quoi? C'est 7. J'ai un niveau 7 dans le passé. C'est lui qui est 7. Niveau G, ça reste 7. Qui a acheté quoi? Qu'est-ce qu'il a acheté? On voit, je vous rappelle ça. Il a acheté quoi? J'ai mis tout ceci. Tout ceci, c'est G. Le voilà. Après ça, il a quoi? Il a N, il a I. Le E est bien dans génie. Je laisse ça. Et je peux la noter comme ça. I, G, N, ça y est quoi? IA. C'était IAM, il a acheté. IAM pile. Vous rappelez bien. Je n'avais pas dit. C'est lui 7. Puisque, si vous rappelez bien. Et que quoi? Les domaines de la caverne là, ces gens-là, ils étaient nombre de 3. À savoir, il avait quoi? 7, il a 7, il a 16, il a 25. À la position de l'alphabet, ça est G. À la position 16, dans l'alphabet, ça va être T. À la position 25, dans l'alphabet, ça va être Y. C'est trois lettres de l'alphabet là. J'ai fait Y. Les voilà, les trois domaines de la caverne. Et c'est celui-ci qui est le patron. Vous rappelez bien, c'est lui qui est le patron, c'est lui qui a envoyé le 7 là, c'est lui qui l'a envoyé chercher à. Qui l'a envoyé chercher à. Chercher de la nourriture. Non, c'est comme ça. Donc, ce bien là, c'est lui qui fut quoi? Qui fut ce domaine de la caverne qui est parti chercher à manger. Et là, c'est lui qui est 7, c'est lui qui est 7, c'est lui qui est G, qui est 7. Et il avait acheté de l'IAM. Et c'est toujours lui. C'est toujours lui qui est révélé aujourd'hui en tant que quoi? En tant que Daniel Pierre Urbain. Daniel Pierre Urbain. Et toujours, et puis tu es par quoi? Par le courri, non pas le jeco. Au premier abord, sans sa première apparition, c'est-à-dire parmi les choses de la caverne, et puis tu es quoi? Qu'est-ce qu'il a tué? C'était toujours le courri. Je vous l'ai expliqué. C'est le courri qu'il a tué, cet argent-là. Cet argent, on disait c'est lui pour acheter, la nourriture. L'IAM là, l'IAM pilé. C'est ça qui l'a tué, je vais vous expliquer ça. Mais moi, il est ressuscité. Et il est ressuscité, c'est lui qui est revenu à quoi? C'est lui qui est revenu en ce vieillard là. En ce vieillard qui a été enrichi par Corée. Corée le marabout. Le vieillard est son client. Corée l'a enrichi, Corée lui a donné le Corée. Et c'est toujours ça qui l'a tué. Je l'ai expliqué. C'est ça qui est la cause de sa mort. Et puis il peut ressusciter encore.
Il peut réciter, il peut réciter. Et par la vache jaune, il a indiqué son meurtrier. Et j'ai dit, le meurtrier qu'il a indiqué là, pas lui, c'est le vrai meurtrier, c'est quoi? C'est le courrier. Et puis après, il est mort encore. Il est mort et plus tard encore, il est ressuscité encore. Il est ressuscité en qui? En Pierre d'Aïbor. Pierre d'Aïbor. Et Pierre d'Aïbor, qu'est-ce qu'il a tué encore? C'est quoi? C'est les courriers. Il a travaillé dans le ministère des finances, non? Finance, c'est l'argent, non? Vous allez comprendre. C'est le courrier qui l'a tué. C'est le courrier qui l'a tué.